Et je me suis dit, oh mon dieu, j'ai à peine commencé le sport, ça commence déjà, je suis déjà rouillée. Quand j'ai voulu le mélanger, ça faisait une sorte de grumeau. J'ai dit, mais c'est quoi cette arnaque, c'est dégueulasse. C'est multivitaminé. C'est plein de vitamines. Si je tombe malade, excusez-moi, mais je vais devoir annuler les rendez-vous de demain. Les clientes vont me zigouiller si j'annule les rendez-vous. Donc, entre guillemets, je peux pas tomber malade. J'ai pas le droit. Bonjour mes petites beauties, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas fait de vidéo parce que j'avais pas beaucoup de temps. Et là, avec ce confinement, ça fait déjà 2-3 semaines que ça a commencé. J'ai dit, il est hors de question que je passe tout le confinement et que je ne fais pas de vidéo. Parce que là, j'ai du temps à ne savoir qu'en faire. Et j'ai dit, c'est l'occasion de reprendre toutes les vidéos que je voulais faire. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Je voulais parler un petit peu de santé. Santé, schlag, non c'est pas comment, c'est pas schlag, c'est comment on fait, comment ça s'appelle le trait là comme ça, c'est pas hashtag, bon on peut dire santé, hashtag, slash pardon j'ai dit schlag, santé, schlag, beauté, slash naturel, slash prend soin de soi, de sa santé et aussi pourquoi pas de ses cheveux, de sa peau, mais dans de bonnes conditions, pas trop de chimie, pas trop de ceci, pas trop de cela, que ce soit pour les médicaments, que ce soit pour les produits cosmétiques et capillaires, etc. Bon, comme vous connaissez, je suis à fond dans les cheveux, la couleur, le lissage et les soins, tout ce qui est capillaire, j'adore parler de ça. Il y a aussi un autre sujet dont je suis plus ou moins passionnée, si je puis dire, c'est la santé. La santé, c'est trop important. Je suis sûre que vous aussi, pour vous donner mes petites astuces, mes petits conseils, ce que je fais au quotidien pour résoudre tel ou tel problème. Mais je m'y intéresse beaucoup à ma santé, moi-même. Et ensuite, si j'ai des petits conseils par rapport à des choses que j'ai déjà essayé et utilisé, j'ai envie de les partager aujourd'hui parce que ça fait longtemps, même avant le corona, je voulais faire une vidéo de ce type. Et là, j'ai dit, c'est l'occasion ou jamais, c'est l'occasion de faire cette vidéo pour parler un petit peu de santé parce que je trouve que c'est trop important. On a l'impression que tout ce qui est recette de grand-mère, tout ce qui est, c'est même pas recette de grand-mère, mais des trucs qu'on utilisait avant, ça a été oublié. Et si on utilise aujourd'hui, c'est has-been, c'était nul. Faut prendre la chimie obligatoirement pour être en bonne santé. Et non, on se rend compte aujourd'hui que finalement, vaut mieux se retourner vers les choses les plus simples, les plus naturelles et les plus efficaces finalement. Alors, ça va partir dans tous les sens, que ce soit pour la santé ou pour, que ce soit pour les cheveux aussi. J'ai des petits soins pour les cheveux, oui pourquoi pas. Pour la peau, pour l'intérieur quand on est malade et puis pour la musculation, pour le sport entre guillemets. Tiens, on va commencer par ça. Donc comme je vous ai dit, il n'y aura vraiment pas de fil conducteur, je vais parler de tout et de rien, mais si vous pouvez prendre des petits conseils par-ci par-là par rapport aux produits que j'utilise pour me soigner mes petits bobos, mes petits tracas du quotidien, allez-y, welcome, prenez et n'hésitez pas à partager vos petits soins, n'hésitez pas à dire si telle ou telle chose vous avez essayé c'est bien et c'est efficace ou au contraire chez vous ça ne marche pas. Donc c'est parti, donc j'allais parler de musculation. Bon, je fais un petit peu de sport, j'ai un corps de bodybuilder, comme vous avez remarqué. Non, pas du tout, je fais un petit peu de sport parce que je sais que c'est bon pour la santé, c'est bon pour le physique, ça fait plaisir. Il n'y a pas longtemps, je faisais régulièrement du sport, assez souvent 2 à 3 fois par semaine au tout début. Maintenant, j'ai ralenti, mais c'est minimum une fois. Je commençais à avoir mal au genou. Vous savez, ce petit tendon là, juste au-dessus du genou, il est tendu. Et quand vous abaissez, ça fait « Ah !» Vous avez l'impression que ça grince limite. Et je me suis dit, oh mon dieu, j'ai à peine commencé le sport, ça commence déjà, je suis déjà rouillée, j'étais dégoûtée, j'ai dit, ça y est, si mon genou, il pète, entre guillemets, il va peut-être pas péter, mais si j'ai mal, parce que ça a duré plusieurs jours, donc je me suis dit, c'est pas une crampe, c'est quelque chose de plus profond. Si ça dure, si j'ai à peine commencé, je pourrais plus faire de sport et adieu, la santé, le corps, etc. Même, je m'étais intéressée, même avant, à ce produit là par rapport à la peau, et je sais que vous allez savoir où je veux en venir, c'est le collagène. Alors il est où, je vais le chercher. Le collagène, c'est un complément que j'utilise, je vais pas vous mentir, j'ai utilisé très peu, mais j'ai repris du collagène quand j'ai commencé à avoir mal au genou et j'avais tellement peur, j'ai dit non, c'est hors de question que je me laisse abattre comme ça, et encore moins d'aller me faire des infiltrations, encore moins d'aller voir des docteurs pour qu'ils me donnent des médicaments pour cacher la douleur, mais à l'intérieur, on ne répare pas ce qui se passe.
Donc je me suis intéressée au collagène et moi j'aime pas tout ce qui est gélule avalée, j'ai l'impression que c'est un médicament. Je voulais vraiment du collagène plus ou moins pur parce qu'on sait jamais vraiment ce qu'on achète. Donc quelque chose d'assez pur et d'efficace finalement. Donc j'ai opté pour ce sachet. C'est du collagène en poudre que j'ai acheté sur Amazon. Donc je ne sais plus combien c'était, si je me souviens du prix je vous le mettrai là. Peut-être 20 euros, une dizaine d'euros, une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros, je ne sais même plus. Donc j'ai regardé les avis, ça disait que ça sentait pas mauvais parce que moi je voulais du collagène marin, je voulais pas du collagène bovin. Bon après je pense que c'est chacun ses goûts, je pense que ça, tous les deux doivent être bons, mais je voulais plus du marin. Je me suis dit c'est peut-être mieux et en plus de ça le collagène bovin je sais pas ce que c'est, etc. Bon bref. Et les avis disaient que ça n'avait pas de goût, donc il faut prendre une cuillère ou deux à mettre dans un verre de thé et à boire. Le problème c'est que quand j'ai ouvert ça, bah, je sais pas si on va le voir, bah, là j'ai un petit peu de poudre qui sort, on dirait de la coke. I'm in love with the coco. Non, ça se sniffe pas. Ça se sniffe pas. Donc c'est une sorte de poudre blanche très très fine. Donc les commentaires disaient que ça ne sentait pas, mais alors l'odeur est infecte. Ça sent le poisson qui est resté dans un coin là. Un mélange de camembert pour pas trop pourri mais qui pue bien comme il faut et de poisson qui est resté dans un coin mort comme ça et qui pue. Vous savez ce genre de choses, je vais pas dire autre chose, ça pue du cul en fait, si je puis dire, plus ou moins, c'est à peu près ça l'odeur. Non j'exagère, c'est pas aussi fort que ça, mais quand même si tu sens, moi je trouve que l'odeur est assez présente. J'étais dégoûtée quand je l'ai acheté, j'ai pas réussi à mettre ça dans du thé ou dans des boissons. En plus quand j'ai voulu le mélanger, ça faisait une sorte de grumeau. J'ai dit mais c'est quoi cette arnaque, c'est dégueulasse. C'est cheap. Bizarre. Dégueulasse. C'est dégueulasse, je vais pas savoir manger ça. Donc j'ai laissé de côté. À la base je l'avais acheté pour ma peau, je me suis dit j'ai envie d'avoir une peau plus rebondie parce que voilà, double menton là c'est bon, ça suffit, ça, on est assez là avec le double menton. Donc je voulais avoir quelque chose d'un peu plus ferme, je me suis dit tiens je vais commencer avec le collagène. Parce que oui c'est super efficace pour la peau, hein. Finalement dans la peau il y a du collagène, de l'élastine, de la kératine aussi, tout ça. Puis, si on prend un petit peu de collagène, on se dit, c'est peut-être pas sûr, hein, peut-être que c'est pas vrai, mais on se dit que ça va aider à avoir une peau plus rebondie, peau de bébé quoi, vous savez, peau avec des joues bien... Il n'y a pas de mot pour ça, des joues bien plumpy, voyez. Donc j'avais pris pour ça et je l'ai mis de côté parce que j'ai pas réussi à l'avaler. Et quand j'ai eu mal au genou, je me suis dit, allez hop, on va reprendre ça de plus belle. Ce que j'ai fait, c'est que je saupoudrais dans mes aliments, mais plutôt salés. Voyez, comme une soupe, comme de la salade, ou comme des... Ah oui, j'avais saupoudré sur des pâtes bolognaises. Donc ça faisait un petit peu bizarre, ça faisait une sorte de poudre blanche. On aurait dit comme du parmesan, entre guillemets, sur mes pâtes bolognaises. Et ça va, le goût, je le sentais pas, je mangeais mes pâtes, c'était bon. Donc je me suis dit, tiens, c'est une bonne façon de manger du collagène. Donc je mettais une cuillère ou deux. Et c'est vrai que pas longtemps après, c'est pas immédiat, faut pas rêver, j'ai plus eu mal au genou. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus mal au genou. Donc j'ai envie de dire, je suis contente. Je pense que ça marche. Est-ce que j'ai guéri tout seul? Je sais pas. Est-ce que ça m'a aidé? Je sais pas. Mais je continuerai. J'ai fait un peu la fainéante, j'ai un petit peu mis de côté parce qu'il n'est pas sur ma table. Le truc, c'est que quand il n'est pas sur ma table, ben, j'ai tendance à l'oublier parce qu'en ce moment, il y a autre chose sur ma table dont je vais vous parler tout de suite. Le collagène, c'est réputé pour la peau, pour les articulations et aussi pour les cheveux. À vérifier, bien sûr. Mais voilà, je voulais parler de santé beauté. Et ça fait un petit peu partie des deux. L'une de mes nouvelles meilleures amies, c'est la spiruline. La spiruline, beaucoup de gens disent que c'est des micro-algues. C'est des algues fines, microscopiques. Mais en fait, quand on l'observe au microscope, c'est pas vraiment des algues. C'est des bactéries. Une sorte de bactérie en forme d'hélice, comme ça, un truc comme ça. Et en fait, c'est super bon pour plein de choses. Il y a plein de gens qui vont vous conseiller la spiruline pour avoir de très beaux cheveux. Et d'autres vont vous parler pour l'organisme. Mais moi, justement, je l'ai pris pour mon organisme parce que c'est vrai qu'à certains moments dans l'année, on est fatigué. J'étais super fatiguée, le travail, etc. Dors pas beaucoup, une sale peau, des cheveux qui commencent à être
flag dance. Voilà, ça peut arriver de temps en temps, mais surtout j'étais fatiguée et je me suis dit, tiens, j'ai envie de prendre quelque chose. Je me suis intéressée à la spiruline, ben, ça fait un bon moment et j'adore ça, c'est super, c'est un super bon goût. Et il est marqué à l'algue bleue des Andes en plus, mais c'est normalement hein, à vérifier, mais c'est pas une algue, c'est des bactéries. À savoir, il y a des sportifs qui l'utilisent, des coiffeurs qui le conseillent pour avoir des beaux cheveux. Pourquoi ? Parce que c'est bourré de protéines. Et je dirais même mieux, c'est bourré d'acides aminés. Les acides aminés, c'est ce qui constitue les protéines. Mais c'est encore mieux parce que les acides aminés sont déjà, entre guillemets, prédécoupés. Ça veut dire que c'est directement assimilé par son organisme. Le taux de protéines, c'est à peu près, pour 100 grammes, à peu près 70 grammes de protéines. Quand on compare avec le poulet et la viande, on est à peu près à 40 grammes de protéines, après il y a du gras, etc. Ça, c'est quasiment que des protéines, 70 ou 80. Si je me trompe dans les chiffres, vous m'excuserez, je vous laisserai aller vérifier, mais on est à peu près dans ces taux-là. C'est bourré donc d'acides aminés, donc vous savez que les cheveux, c'est constitué d'acides aminés, de la kératine, des protéines, quoi. Donc c'est bon pour les cheveux, mais c'est plein de vitamines, la vitamine B12, du fer. Donc celles qui manquent du fer, qui sont carencées, pourquoi pas se tourner vers des produits un peu plus naturels plutôt que de prendre des gélules de je ne sais quoi, de je ne sais où. La spiruline, en fait, c'est multivitaminé. C'est plein de vitamines, certains l'appellent un super aliment. C'est comme un aliment médicament. C'est une sorte d'aliment que vous allez manger, qui va prendre soin de vous. Vous allez être plus fort de l'intérieur. Donc dès qu'il y a des maladies qui vont arriver par-ci par-là, peut-être le corona, je dis peut-être, pourquoi pas, et bien vous serez plus fort pour l'attaquer, vous comprenez? Donc il ne faut pas attendre que les maladies, elles tombent dessus et je suis morte, je suis tombée par le j'ai été piquée par le corona, ça y est, j'ai plus rien à faire, il n'y a plus rien à faire. Non, ça serait bien de préparer le terrain avant, d'être plus fort. En plus de ça, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la beauté. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Pourquoi j'ai choisi cette marque? J'ai fait mes recherches un petit peu partout. Flamant vert, c'est l'une des plus pures. Ils respectent le produit, c'est-à-dire que c'est fabriqué dans les Andes. Donc c'est en Amérique latine. Vous voyez la cordillère des Andes là? Donc c'est dans des hauteurs plus de 1000 mètres, je crois, dans des plateaux en hauteur. Et c'est baigné de soleil parce qu'on peut trouver de la spiruline un petit peu partout dans le monde. En Chine aussi. Mais franchement, j'ai... Excusez-moi, c'est pas pour dénigrer la Chine, mais des fois, il n'y a pas trop de contrôle, de respect. Je ne suis pas sûre que là d'où ça vient en Chine, attention, je ne dénigre pas la Chine, au contraire, il y a des super choses en Chine, mais là où c'est fabriqué la spiruline à certains endroits, c'est fabriqué dans des bassins peut-être, voire sûrement pollués, avec toutes les usines qu'il y a autour qui déversent leurs déchets dans des grands lacs, et après, eux, ils fabriquent de la spiruline et puis ils envoient ça. Et c'est pas la peine de prendre de la spiruline polluée, tu vas te polluer ton corps, tu comprends? Donc c'est une spiruline qui est fabriquée dans des lacs en hauteur, qui sont baignés de soleil, parce que le soleil, les rayons UV vont fabriquer un petit peu cette spiruline, c'est bon pour les bactéries, les micro-organismes et tout ça. Donc ça va être une spiruline de meilleure qualité. Donc c'est pour ça que je l'ai choisie. Maintenant, je pense que vous pouvez trouver un petit peu partout de la spiruline, mais faites attention quand même à la provenance parce que c'est important. Moi, je l'ai pris en brindille. Ça existe aussi en poudre, en cachet et en paillettes. Ça, c'est ce qu'on appelle les paillettes. Donc on dirait des... Comme de l'herbe. Vous voyez, c'est... On dirait de l'herbe, mais c'est séché. Donc c'est séché naturellement au soleil, là-bas, dans les Andes. Alors, si vous voyez, je vais en casser une brindille en deux. Vous voyez, c'est rigide, c'est séché. Et moi, j'adore le manger, ça. J'en saupoudre sur la soupe ou dans la salade. Ça n'a pas trop de goût. C'est un goût légèrement salé. Donc, c'est très, très bon. Et voilà. Donc, c'est facile d'en manger un petit peu tous les jours, de prendre soin de soi. C'est un antifatigue puissant. Vous n'allez pas voir l'effet tout de suite du jour au lendemain, mais petit à petit, et puis moi je dis, quand on veut prendre soin de soi, c'est pas avec un médicament et, et ça y est, tout va bien, c'est des accumulations de petites choses. Je vous recommande vraiment, et si vous savez pas quoi prendre, essayez celle-là. Moi j'ai commandé directement sur le site, il y avait des promos, j'essaierai de mettre le lien de là où j'ai commandé dans la barre de description.
En tout cas, je ne regrette pas d'avoir pris en paillettes parce que c'est très agréable. Moi, les poudres à mettre dans de l'eau, j'aime pas trop. Donc, j'ai acheté aussi des poudres parce que je ne savais pas trop quoi prendre. J'ai pris les deux. Je vais essayer de voir si ça marche en saupoudrant dans la salade ou dans la soupe. Mais moi, j'aime bien les paillettes parce que ça croustille légèrement quand on les mange. Et tout ce qui est caché, ça existe aussi en cachet, même si c'est 100% naturel. Non, j'aime pas les cachets, j'aime pas avaler un truc. Moi, j'aime bien comme si c'était de la nourriture à manger. Donc voilà pour entre guillemets les compléments que je prends plus ou moins. Je prends pas non plus un milliard de choses, de temps en temps je change. Donc là, je vous ai parlé de ce que je prenais en complément tous les jours. Et il y a parmi ces compléments, il y a une marque. C'est pas vraiment des compléments maintenant, c'est. Oui, on peut appeler ça des compléments. Il y a une marque que j'affectionne particulièrement et surtout en hiver et surtout en ce moment. C'est la marque Balofluorin. Apiculteur, médecin, je pense qu'il y a tout ça dans la famille. Et l'une de ces personnes, elle s'appelle Catherine Fleurin. Et quand Catherine Fleurin parle de ses produits, parle des abeilles, parle de l'apiculture, parle du miel, parle du pollen, etc., vous pouvez que boire ses paroles. Elle adore les abeilles, elle adore les ruches, elle travaille, elle est passionnée de ça. Et quand on est passionné, forcément, on fait des bons produits. Bon, je vais m'expliquer. Je voulais vous parler maintenant des produits de l'abeille. Tout ce qui est pollen, tout ce qui est propolis, tout ce qui est miel, tout ce qui est gelée royale. Est-ce que j'ai oublié autre chose? Les venins, etc. Bon, ça, je ne m'y connais pas trop. Il y a plein d'autres choses. Mais les produits de l'abeille, c'est un bienfait fou furieux pour votre santé. Je ne sais pas comment, à l'heure d'aujourd'hui, en 2020, tout le monde n'a pas ça à la maison, tout le monde ne connaît pas ça. On a oublié des pépites ancestrales de santé, des bombes de santé, on les a oubliées pour les remplacer par du doliprane, d'afalgan. Je pense qu'il vaut mieux préparer le terrain pour être plus fort de l'intérieur. Je suis tellement fan de cette marque que j'ai quasiment tout acheté chez eux. J'ai tout acheté. J'ai commencé par la propolis. J'ai préparé un plateau avec les produits que j'utilise, enfin que j'ai de chez elle. Voilà. Donc je mettrai une petite vidéo de présentation plus ou moins. Donc comme vous voyez, j'en ai pas mal, hein. Et je voulais vous parler plus ou moins de chaque produit, pas de tout, mais plus ou moins des produits. Parce que beaucoup d'entre vous, je pense que vous connaissez un petit peu le miel, la propolis, tout ça, vous savez que ça a des bienfaits. Peut-être que c'est vague pour vous, peut-être que vous y connaissez bien et peut-être que vous allez apprendre des nouvelles choses. Moi, je suis toujours en train d'apprendre, j'adore apprendre des choses par rapport à ça. Donc si vous avez d'autres conseils à me donner, n'hésitez pas, j'adore ça. Donc comment j'ai connu, par quoi j'ai débuté dans cette marque, c'est avec la propolis. La propolis, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, je vais vous montrer les deux propolis que j'ai. Il y a la propolis noire et la propolis blanche. La plus efficace pour moi, c'est la propolis noire. C'est par ça que j'ai commencé. Donc chez eux, c'est un petit flacon comme ça. Et comme ça colle un petit peu, c'est toujours dur à ouvrir. Et voilà, avec un flacon goutte, et on utilise des gouttes à gouttes. Donc, qu'est-ce que c'est que la propolis? J'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense avoir bien saisi ce que c'était. La propolis, c'est fabriqué par les abeilles. Elles vont butiner les arbres, l'écorce des arbres. Sur les bourgeons, il y a une sorte de résine qu'elles vont prendre. Je ne sais pas si je peux mettre une petite vidéo, vous verrez un petit peu comment elles transportent ça. En tout cas, c'est fait à partir de la résine. C'est une sorte de résine finalement, la propolis. À la fois un peu collant, à la fois un peu dur, qui va protéger la ruche, qui va les protéger elles-mêmes des micro-organismes extérieurs, c'est-à-dire des bactéries, des virus, des champignons et des parasites. Cette propolis, elle est naturellement antiseptique, antifongique, antivirale, antiparasitaire. Vous avez peut-être déjà vu des ruches. Des fois, la ruche, elle se fait attaquer par des bestioles, que ce soit des mouches, des guêpes, des rats, des fois, des serpents, enfin, je sais pas, tous ceux qui veulent aller grignoter son petit miel. Mais les abeilles, c'est des abeilles, elles sont toutes petites. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est au pire
piquer l'intrus, le tuer, mais après elles ne pourront pas sortir l'intrus. Donc si elles laissent l'intrus à l'intérieur, il va pourrir. Et s'il va pourrir, il va détruire la ruche, il va détruire l'intégrité de la ruche. Donc ce qu'elles ont comme pouvoir, comme produit magique, ce produit, c'est la propolis. La propolis, elles vont carrément tapisser la bête, elles vont l'entourer de cette propolis, et de cette façon, la bête ne va pas pourrir. Et elle va pas infecter l'intérieur de la ruche. Elles vont, entre guillemets, embaumer l'intrus. On a même retrouvé de la propolis dans sur des momies anciennes. Parce qu'avant, les pharaons utilisaient la propolis pour conserver les corps. Comme ça, le corps, il ne pourrit pas. Donc les abeilles, elles vont embaumer la bête, l'intrus. Il va mourir, il va rester là dans un coin, mais il va pas pourrir tout l'intérieur. Les abeilles, ce qu'elles font, c'est qu'elles tapissent également l'intérieur de la ruche avec de la propolis. Et à l'intérieur de la ruche, c'est plus stérile qu'un bloc opératoire. C'est plus stérile qu'une salle d'opération chirurgicale avec tous les produits qu'on utilise. Et elles ont la propolis. C'est naturellement antibactérie, antiviral, et c'est purifiant par excellence. Et donc, ça serait bien d'utiliser, pour en revenir à nos moutons, la propolis, comment on peut l'utiliser, nous, êtres humains? Parce qu'à la base, c'est fait par les abeilles pour les abeilles, mais on peut essayer de bénéficier de leur bénéfice, entre guillemets. Cette propolis noire, elle est hyper méga concentrée, et c'est l'une des meilleures propolis, en fait, qui existe. Elle a une propolis quasiment, enfin, très très pure et donc très très efficace. La propolis, qui est une sorte de résine, donc c'est un peu dur et c'est un peu collant, elle va la dissoudre entre guillemets dans de l'alcool. Ici c'est de l'eau de vie. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est utiliser une à deux gouttes, voire trois gouttes par jour, ou de temps en temps, ou en cure, ou quand vous êtes malade, ou en prévention de quelque chose. Vous allez me dire, c'est vrai que c'est très petit, cette petite fiole. Mais en vrai, il vous faut 2-3 gouttes, voyez? Vous voyez, des petites gouttes comme ça. Et moi, ça fait... je touche du cheveu, je ne vais pas me porter la poisse, ça fait des années que je ne suis pas tombée malade. Même pas à peine un rhume, mais le début d'un rhume. Il faut bien qu'il arrive pour que je m'en rende compte. Mais dès que j'utilise quelques gouttes de propolis et une infusion de quelque chose dont je vais vous parler juste après, eh ben, la maladie, elle part très 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 vite. Et tant mieux, parce que j'ai pas le temps. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Que ce soit corona ou rhume ou grippe ou autre chose, moi je dis, je préfère préparer mon terrain à fond, à 100% pour être prête. Et puis si ça tombe sur moi et si malgré tout ça n'a pas aidé, bah c'est la vie. Mais je touche du cheveu, portez-moi pas la poisse s'il vous plaît, j'ai pas envie de tomber malade. Donc voilà comment j'utilise la propolis. Donc pour moi c'est un trésor à avoir chez soi. Si c'est pas cette marque là, utilisez une autre. D'ailleurs la propolis blanche, c'est une propolis, pardon celle-là. C'est une propolis sans alcool. Donc pour ceux qui ne veulent pas utiliser de l'alcool, bah vous avez la propolis et là vous devez utiliser 10 gouttes ou 20 gouttes dans un verre d'eau. Par contre, pour ceux qui ne boivent pas de l'alcool, mais c'est pas comme si vous buvez de l'alcool, c'est comme pour moi du vinaigre d'alcool. Si vous faites une vinaigrette, il y a de l'alcool dedans, vous comprenez la différence? Là aussi il y a de l'alcool, parce que j'entends les commentaires dire oui mais je prends pas d'alcool. Non mais moi non plus je prends pas d'alcool, mais quand c'est pour ma santé, 2-3 gouttes d'alcool avec de la propolis, ben je prends. C'est comme quand tu fais une vinaigrette d'alcool, ben il y a de l'alcool dedans, c'est pas pour autant que tu vas devenir saoul, ok? Bon, je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport à ça. Donc la propolis noire, comme je vous ai dit, il y avait la noire et la blanche. La blanche, elle est sans alcool. Elle peut s'utiliser pour celles qui ne veulent pas utiliser d'alcool. Pour les enfants, éventuellement, pas en dessous de 36 mois, donc 3 ans. Pour les enfants ou pour la peau. Moi, j'en mets de temps en temps sur la peau. Je vais voir si plus tard, ça m'aura fait du bien pour les petits boutons. Mais pourquoi pas. Et vous pouvez l'avoir aussi en spray. Donc il n'y a pas que de la propolis dedans, mais il y a d'autres choses. Donc pour nettoyer son nez quand on est un petit peu enrhumé, quand on commence à être enrhumé, parce que je vous assure que quand vous utilisez ça, ça va très vite, vous êtes... Excusez-moi encore, ça s'est encore coupé la batterie. Donc le spray nasal, vous faites quelques spritch dans votre nez pour nettoyer, désencombrer un petit peu. Donc c'est fait avec de la propolis, 50% d'extrait de propolis blanche. Donc c'est la propolis blanche par contre. Et avec quoi d'autre? Du thym.
Du thym, mon meilleur ami aussi. On en parle juste après. Bah, tout ce qui est bon, en fait, quand on a un rhume, en fait. Ça dégage bien, mais je vous assure que quand vous mettez les petites gouttes, avant même de bien tomber malade, vous avez quasiment pas besoin d'utiliser ça. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de produits, j'ai vraiment quasiment toute la gamme, mais si vous avez l'extrait de propolis, vous pouvez le mélanger à 2-3 petites choses et après, vous n'avez pas vraiment besoin de tout. Mais c'est vrai que moi, j'ai tout, comme ça, si j'ai besoin de quelque chose, bah tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'en mettre dans mon nez pour protéger les voies nasales, les voies aériennes, tout ça, et ben j'en mets. J'ai aussi également le spray pour la gorge. Donc, le spray pour la gorge, c'est 90% d'extrait de propolis noir, donc c'est exactement ça, et 10% de miel grand cru. C'est un spray que vous allez mettre au fond de la gorge. Donc ça, ça va remplacer tous les sprays que vous mettez pour soi-disant apaiser le fond de la gorge avec des molécules chimiques, etc. qu'on vous vend en pharmacie. Moi, perso, je préfère 100 fois ça. Et c'est... ça a la même odeur que la propolis. Et il y a un peu de miel, à mon avis, c'est pour adoucir la gorge. Et pour c'est toujours pareil, antiseptique. Et la propolis pour bien nettoyer, apaiser, réparer. Peut-être que le miel est peut-être un peu plus réparateur. Mais après, au final, c'est votre corps qui fait le tout. Là, vous donnez de l'aide à votre corps. Et puis, c'est le corps qui fait son job, quoi. Vous l'aidez à bien travailler. Donc, on va dire que c'est l'équivalent, vraiment, si vous avez... Si vous devez choisir, prenez vraiment l'extrait de propolis noir. Et ça, en plus, ça éventuellement vous prenez quand vous partez en voyage, parce que c'est du miel et de la propolis. Vous faites un petit coup de spray. Si vous êtes sûr de tomber malade quand vous partez en vacances ou ski, je sais pas, ou vous la clim de l'avion. Moi, quand je tombe malade que éventuellement quand je suis en vacances, je rentre avec la clim de l'avion, le chaud, le froid, je suis un petit peu encombré. Dès que je rentre, propolis et ma petite tisane, et c'est bon. Et donc, je voulais parler de ma petite tisane magique. Elle n'est pas magique, elle est toute bidon, elle est toute simple. Ça se trouve, vous connaissez déjà, mais peut-être que vous l'utilisez et tant mieux. Et peut-être que vous l'utilisez pas et c'est dommage parce que c'est tout simple à faire. Ma tisane magique, c'est de la tisane avec du thym. Du thym. Alors, moi, voilà mon sachet de thym. Voilà, tout simplement, c'est du thym en vrac. Hein. Vous pouvez trouver ça n'importe où. Je sais même pas si c'est de la bonne qualité. Moi, c'est ma soeur qui m'a laissé ça. Va laisser ça à la maison et franchement pour moi c'est mieux que enfin, je sais pas, c'est mieux qu'une palette d'or, quoi. Je sais pas comment on peut appeler ça, un lingot d'or. C'est précieux, tous ces petits trucs là, parce que la santé, c'est précieux. Et donc quand je tombe malade, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, quand je commence à tomber malade, je mets mes petites gouttes de propolis, je prends du miel, je mets mon propolis dans le miel et je me fais ma petite tisane à côté. Là, j'ai déjà préparé ma tisane parce que j'avais envie d'en faire une. Donc, alors, j'ai ce verre-là qui est super pratique avec un couvercle. Vous voyez? Hop. Et là, vous avez le filtre. Et à l'intérieur, je mets... je sais pas si vous voyez. Je mets... Avant, j'en mettais beaucoup. Mais j'ai remarqué que c'était un peu trop fort. Maintenant, je mets à peine une cuillère à café, voire une cuillère à café et demie. Je mets au hasard. Hein. Je laisse tremper dans de l'eau chaude. Je mets pas de sucre. J'ai pas envie de sucre. Je mets juste du thym, de l'eau chaude et je bois. Donc la chaleur, déjà, ça fait du bien. C'est magique. Quand vous êtes malade, vous faites cette tisane, vous mettez 2-3 gouttes de propolis, vous les mettez dans la langue, c'est pareil, hein, sur la langue, pardon. Et en plus, ce qu'ils recommandent, elle recommande ça souvent, Baloflurin, c'est de mettre, au lieu de prendre ta goutte de propolis sur la langue, directement sur la langue, tu peux encore mieux la mettre mélangée avec un petit peu de miel. Je vous montre comment je fais ma sorte de préparation avec le miel. Donc là, en ce moment, j'ai commencé celui-là. Donc moi, je varie, j'ai pas de préférence pour le miel, mais comme j'ai goûté celui-là et que c'était excellent, et il y a de la gelée royale, et en ce moment, comme je vous ai dit, il y a le corona qui rôde. Donc j'essaye de prendre tout, pollen, miel, gelée royale, tout ce que les abeilles elles connaissent et elles savent. J'en prends pas beaucoup parce que, vous voyez, ce petit pot de miel avec de la gelée royale, c'est à peu près un peu moins de 20 euros. Je crois que c'était 18 euros ou 15 euros. Après, ça dépend là où vous l'achetez. Peut-être que des fois, il y a des promos, mais j'ai jamais trouvé des promos sur Baloflurin. Je le mélange un petit peu. Je racle parce que je n'ai pas envie d'en utiliser beaucoup. Bon, allez, aujourd'hui, je suis gourmande, on va dire cette quantité. Vous voyez, c'est une mini cuillère. Hein. Mmh. Je sais pas ce que c'est que c'est. Il y a des sortes de petits grains. C'est pas des grains, mais c'est des cristaux de miel. Mais quel délice! Je vous montre exactement comment je fais. Je vais en mettre deux parce que je suis généreuse. J'en mets deux. Je laisse un peu se dissoudre dedans.
voyez, hop, et je prends petit à petit comme ça, des petites gouttes, et en fait c'est tellement actif, c'est tellement pur, c'est tellement efficace qu'il n'y a pas besoin d'en prendre 3 tonnes, 3 cuillères à soupe de miel, il ne faut pas exagérer. J'ai ma petite tisane et puis avec le fond de miel que j'ai dedans et je bois ma tisane, ça lui donne un petit goût sucré. Mais c'est tellement bon que franchement ça pourrait se manger comme ça et en plus c'est une sorte de médicament et c'est un délice. Qu'est-ce que tu veux de plus? Bon, par contre le thym c'est légèrement amer, mais franchement ça passe. Moi à la base j'aime pas du tout le thé, j'aime pas les tisanes, j'aime rien du tout. Ça je le prends, c'est pour ma santé. Si vous avez d'autres recettes de tisane ou d'autres bienfaits, avec plaisir, je veux bien que vous me les envoyez en commentaire ou franchement avec plaisir je recueille tout. En tout cas c'est une pépite, c'est un trésor. Si vous prenez pas cette marque là, regardez de la propolis autour de vous, que ce soit en cachet, que ce soit en gouttelette. Vous pouvez la prendre en pur si vous allez directement chez les apiculteurs autour de chez vous. Ça je pense que c'est encore meilleur. Et donc, Balofluorin, ils ont entre guillemets une très très grande ligne de produits. Les miels, la propolis, la gelée royale, le pollen. Juste avant, j'utilisais les miels de chez la famille Marie. Parce que quand j'étais tombée malade, c'était encore au tout début, j'avais mal à la gorge, j'avais pas envie d'utiliser des sirops chimiques, etc. Et j'avais envie d'utiliser des miels parce que je sais que les miels, donc aussi, sont naturellement antiseptiques. Pas tous, et pas tous à la même hauteur, pas tous au même degré, mais c'est antiseptique. Donc quand on est malade et qu'on a mal à la gorge, au lieu de prendre un sirop de Toplexil ou de je sais pas quoi chimique, on sait pas ce qu'il y a dedans, prenez une goutte, une cuillère de miel. Attention, je vais le répéter, je vais le dire, je suis pas médecin, je veux pas me substituer, mais si éventuellement vous avez envie de connaître autre chose, pourquoi pas, si vous n'êtes pas trop malade, d'accord. Moi je vais pas vous dire quand vous êtes en train de crever d'arrêter de prendre vos médicaments classiques, mais pourquoi pas essayer autre chose pour les petites maladies, par exemple pour les rhumes, et même apprendre avant de tomber malade de temps en temps des sortes de petites cures d'hiver. Donc la famille Marie, donc comme vous voyez, moi je suis à la fin, donc ça, j'en utilise pas beaucoup parce qu'à la base j'étais pas miel, moi j'aimais pas moi ces trucs là, le miel j'aime pas trop ce goût. Mais quand vous avez du vrai miel de fleurs, par exemple du miel de thym, et ici c'est du miel des montagnes des Pyrénées, du vrai bon miel, mais c'est bon, c'est bon. Moi avant je connaissais du miel, en fait c'était du glucose de Chine, enfin des sortes de mélanges dégueulasses, et j'aimais pas ça, pour moi c'était écœurant. Mais du vrai bon miel, mais qu'est-ce que c'est bon. Tu prends juste une cuillère de ça, tu laisses fondre un petit peu dans ta bouche, et d'un côté ça fait un peu le côté sirop, d'un côté ça nettoie un petit peu ce qui se passe là-dedans, parce que c'est naturellement antiseptique, et puis ça peut aussi augmenter ton immunité, être plus fort pour l'hiver. Donc là, c'est les miels de la famille Marie que j'ai bientôt fini. Et pas longtemps, j'ai voulu essayer les miels de chez Balofluorin. Et je peux vous dire qu'ils sont assez chers. Ça, je l'ai acheté 21 € dans une pharmacie. Il y a encore le prix ici. Je ne l'ai pas encore ouvert, je n'ai pas encore testé. Mais je suis sûre que ça va être un délice parce que j'ai quasiment tout essayé. J'ai essayé beaucoup de choses chez eux. Dans la pharmacie, là, il y avait un peu de poussière. J'ai essayé beaucoup de choses chez eux et j'ai toujours aimé. Alors, je vois pas pourquoi j'aimerais pas. D'ailleurs, tiens, je vais l'ouvrir. C'est du miel de lavande. Bon, moi, ça m'a l'air très bien. Ah, oh, ça sent limite du caramel. Un caramel très doux. Je vous ferai un retour si vous voulez, si vous avez besoin. Je vous ferai un retour sur tous les produits. Ça, c'est récent, je connais pas. Ah, oh, mais quelle odeur! Ah là là! Franchement, ça sent super bon. C'est limite, on dirait, leche, là. Vous savez, le lait caramélisé, dulce de leche, si je puis dire comme ça. Ça sent super bon. J'ai hâte de le tester, mais je voulais pas tout ouvrir en même temps parce que j'ai acheté autre chose. C'est une préparation de miel. Je sais pas si vous voyez là. Miel et gelée royale. La gelée royale, qu'est-ce que c'est? Vous en avez déjà entendu parler. La gelée royale, c'est fait pour nourrir les bébés abeilles. Vous savez, quand ils sont larves, il me semble. Si je me trompe, excusez-moi, mais j'essaie de vous résumer un petit peu tout ça. C'est fait pour nourrir les larves, pour qu'elles grandissent, pour qu'elles ont l'impulsion de grandir. Mais après, elles n'ont plus droit à ça. La gelée royale, elle est fabriquée uniquement pour la reine après. Et elle va pondre 200 œufs par jour à peu près, un truc comme ça.
excusez-moi si c'est pas ça les chiffres, mais on doit pas être loin. Juste parce qu'elle prend de la gelée royale. Il y a beaucoup de facteurs de croissance dedans, de force. La reine, elle est très grosse et elle fait que pondre, miskina, elle fait que ça toute la journée. Les abeilles, ils vivent un mois, trois semaines, un mois, voire un mois et demi en moyenne. Et la reine des abeilles, elle vit combien de temps celle-là? Je sais plus combien elle vit, mais si c'était par rapport à nous, nous on vit à peu près 60-70 ans, c'est comme si que nous on vivait en mangeant de la gelée royale 3000 ans. Vous voyez le ratio? Une abeille, une reine, et nous c'est comme si qu'on vivait 3000 ans juste parce qu'elle mange de la gelée royale. Alors je vous dis pas si vous allez manger de la gelée royale tous les jours, vous allez devenir, vous allez vivre 3000 ans. Ça c'est pour les abeilles, mais c'est pour vous dire que cette substance, et c'est rikiki la quantité qui fabrique tous les jours, mais cette substance est une sorte de lait que les abeilles fabriquent pour la reine et pour les petits bébés. Cette substance, elle doit être, je sais pas, miraculeuse, c'est un grand mot miraculeuse, mais elle doit être remplie de bienfaits à l'intérieur. Vous pouvez vous faire des petites cures de gelée royale. Là, j'en ai pas, là, parce que ça coûte quand même assez cher. C'est peut-être souvent 50€ un petit pot comme ça. Et vous prenez des petites gouttes de temps en temps. Et ça, c'est super bon quand on est fatigué. Peut-être quand on est mal nutri, éventuellement. Pour ceux qui veulent se revigorer après une opération chirurgicale, après un coup de fatigue, un choc, une grosse maladie, peut-être après le coronavirus, ça serait peut-être pas mal de penser à ces choses-là. Si vous avez été atteint malheureusement ou vous avez eu des proches autour de vous, pourquoi pas vous renforcer par rapport à ça. Ce qu'elle a fait, elle, c'est qu'elle a mélangé du miel et de la gelée royale. Et ça, par contre, j'ai goûté. Mais alors, quel délice! Et à l'intérieur, il y a des sortes de petits grains. C'est pas des grains, mais je crois que c'est des cristaux. C'est le miel qui a cristallisé. Et ça donne un côté... Là, ça sent le miel et... La gelée royale, on la voit pas dedans, il n'y a que 2% de gelée royale parce que ça coûte superbement cher et en même temps on n'a pas besoin de beaucoup de gelée royale, quelques gouttes mélangées dans du miel. Mais en fait le miel, à chaque fois quand vous le mélangez à la gelée royale ou à la propolis, c'est comme un vecteur en fait, ça va vous aider à faire pénétrer les actifs et aider à absorber la gelée royale et la propolis. Et ça, franchement, la préparation dynamisée à la gelée royale, c'est excellent. Je prends une demi-cuillère à café, comme c'est recommandé, à jeun, avant de manger, quand je jeûne, parce que je jeûne beaucoup aussi. Ça, on en reparlera peut-être une autre fois. C'est super bon, et quand c'est bon, ben, on a envie d'utiliser tous les jours. Et je suis sûre que petit à petit, avec toutes ces petites choses, on est plus fort et on tombe pas malade. Comme je vous le dis, je vous le répète, ça fait quelques années, pas de grippe, pas de rhume, pas de trucs bizarres. Tout va bien, alhamdoulilah comme on dit. Je touche du cheveu, laissez-moi tranquille, je veux pas tomber malade. Mais ça fait plusieurs années et je pense pas que c'est le hasard. C'est parce que je fais attention avec toutes ces petites choses-là. Toutes ces choses, un petit peu, c'est quasiment que du naturel ces produits. Je dis quasiment parce que des fois quand on veut faire un shampoing ou quand on veut faire une crème pour le visage, ben on utilise quelques autres ingrédients. Mais il y a aussi la cire d'abeille, on n'a pas parlé de la cire. Les abeilles fabriquent de la cire. Elles fabriquent de la cire, donc c'est le côté gras. Donc on a les glucoses, les glucides, les sucres avec le miel, on a le gras avec la cire, donc finalement on peut faire plein de choses avec tout ça. On a le côté antiseptique avec la propolis, donc on n'a pas besoin de conservateurs et de trucs bizarres dans les produits cosmétiques. On a de la propolis, qu'est-ce que tu veux de plus? Donc quand on veut avoir une peau plus saine, moi je suis en train de commencer la gamme pour la peau parce que ces derniers temps, j'avais une belle peau, on va dire plus ou moins sur le visage, et je commençais à avoir des boutons ici, je sais pas pourquoi, je sais pas, c'est peut-être hormonal. Ça faisait un moment, je savais pas comment guérir ça. J'étais voir une dermato, elle m'a dit c'est de l'acné inflammatoire. C'est tout ce qu'elle m'a dit, et elle m'a donné une crème. J'ai mis de la crème, j'étais brûlée. J'étais brûlée, j'en ai mis très peu, elle m'a dit d'en mettre très peu, j'ai mis très peu, mais j'avais des traces marron de brûlure. Ouais, c'est genre de truc super chimique, super acide. Donc j'ai dit moi j'en ai marre, je veux pas toucher tout ça. Je vais utiliser les produits de l'abeille et on verra si les abeilles me le rendent bien. Je ne vous ai pas parlé du pollen parce que c'est vrai que je ne m'y connais pas trop bien. Je viens de l'acheter. C'est des petits grains. Donc ça, c'est du pollen multifleur. C'est les petites graines de pollen que les abeilles transportent avec elles quand elles vont butiner. Et des fois, elles font tomber ces petits sacs de pollen dans la ruche et c'est récolté, et chez eux ils le récoltent naturellement sans avoir à congeler le pollen, parce que souvent on le trouve dans les rayons frais et dans les rayons congelés, et là chez eux ils n'ont pas besoin de congeler. Donc
Moi, je me dis, tant que tu congèles pas quelque chose, je pense qu'il est meilleur qu'un produit congelé. Donc, vous voyez, ils ont même réussi à faire de quelque chose d'assez fragile, d'assez frais, quelque chose de meilleur sans avoir à le congeler. Donc, ça a un goût un peu spécial. Moi, je ne suis pas trop fan, mais moi, je m'en fous tant que c'est bon pour la santé. Donc, je saupoudre sur la soupe, dans la salade, dans n'importe quel plat, vous ne le sentez quasiment pas et ça a des bienfaits. Alors, qu'est-ce qu'elles disent dessus? On va mettre 1 à 2 cuillères à café par jour dans un verre d'eau ou un jus de fruits, mais vous pouvez le mettre dans la nourriture aussi, comme vous voulez. Éventuellement, vous pouvez même avaler la cuillère comme ça si vous voulez. C'est un goût assez floral, j'ai envie de dire. C'est pas un goût fruité, c'est pas sucré. Je trouve ça le goût des fleurs, donc c'est spécial. C'est spécial comme odeur. Je sais plus trop quel est le bienfait, mais c'est toujours la même chose. De la vitalité, de la force, anti-fatigue et plein d'autres choses. En tout cas, tous ces produits-là, moi j'essaie de faire des cures, en prendre de temps en temps. Et je veux pas me prendre la tête, je me dis pas aujourd'hui il faut que je prenne ça, il faut que je prenne ça, il faut que je prenne ça. Je prends de temps en temps, ou je prends tout le temps, ou je prends beaucoup ou pas beaucoup. De temps en temps, je varie, je fais en fonction de comment je me sens. Je suis fatiguée, tiens, je vais faire une petite cure. Bon, j'en ai pas pris, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, on se prend pas la tête, on essaye de faire au mieux, on n'est pas psychorigide et on est tranquille, on stresse pas. Ce que je voulais vous parler aussi, c'est le baume des soins des Pyrénées. Oh là là, ce truc, c'est génial. Donc, j'en avais un, il n'y a pas longtemps. Je l'ai prêté à quelqu'un qui me l'a jamais rendu. Du coup, je l'ai racheté, donc il est tout neuf. Mais ça, il me semble que c'est fait avec beaucoup de cire d'abeille, donc il est tout neuf, comme vous voyez. C'est une pâte qui sent un petit peu le camphre, l'eucalyptus, enfin je sais pas. C'est assez mentholé. Puis c'est fait avec beaucoup de cire parce que c'est très dur. Alors je sais pas si vous verrez, mais c'est assez épais. Il y a toujours de la propolis dedans, comme vous voyez la couleur un petit peu marron. Riche en propolis noir, cire d'abeille et plante traitante. Notre baume est votre ami fidèle et dévoué qui en toute occasion protège généreusement, apaise et assainit été comme hiver. Donc assainit grâce à la propolis, comme je vous ai dit, antibactérien, antifongique, etc. Et en plus c'est tellement gras que ça hydrate, ça protège un petit peu, ça fait comme une barrière. Donc quand vous êtes brûlé, quand vous êtes coupé, quand vous avez une cicatrice que vous voulez faire partir, je suis sûre que pour les boutons ça peut faire du bien. Quand vous avez la peau sèche, limite des gerçures sur les mains en hiver, sur les pieds, sur le visage, quand vous avez la peau très sèche, vous mettez ça, c'est radical, c'est immédiat. Les lèvres sèches, alors, il y a une odeur un peu particulière, mais moi ça ne me dérange pas. Éloigne les insectes et soulage leurs piqûres. Assainit les pieds, s'applique en massage. Les nez, les lèvres, quand vous avez le nez sec, là, quand vous avez un rhume. Bon, moi, je ne vais pas vous mentir, comme je vous ai dit, ça fait un petit moment, mais des fois, ça m'arrive d'avoir la peau sèche à cause de l'hiver. Les gerçures et les lèvres, moi j'ai souvent les lèvres sèches par contre, ça c'est vrai. Donc j'en mets de temps en temps, mais pour les lèvres, ça j'ai autre chose que j'aime beaucoup. Ça c'est génial, c'est à avoir tout le temps chez soi. Alors bon, moi je suis tellement fan de la marque que j'ai pris beaucoup de choses, vous n'êtes pas obligé de tout avoir. Mais j'ai envie de vous dire que même si vous prenez de l'huile de coco, vous mettez 2-3 gouttes de propolis, ça peut plus ou moins faire l'équivalence, vous voyez, parce que la propolis, vous pouvez la mettre dans vos produits, vous pouvez même la mettre dans votre shampoing pour assainir le cuir chevelu pour celles qui ont des pellicules ou qui ont du psoriasis. Vous savez, les levures, vous souvenez quand je vous ai dit que la propolis, anti-levure, anti-champignon, le psoriasis, c'est un champignon qui vient, qui est tout le temps là, on n'arrive pas à s'en débarrasser et ça provoque des grosses pellicules un petit peu disgracieuses. Et en fait, eux, ils ont fabriqué le shampoing. Je ne l'ai pas encore essayé, mais j'ai dit j'aimerais bien l'avoir à la maison, je vais le tester. Même si j'ai pas de psoriasis, mais pourquoi pas quand j'ai des petites pellicules, ça m'arrive de temps en temps. Je vais voir qu'est-ce que ça fait. Bon, moi, je suis toujours en train de tester. Et c'est du shampoing traitant à la propolis. Et la pharmacienne, quand je suis partie acheter le shampoing, j'ai acheté celui-là et j'ai acheté le shampoing en miel. Et quand j'ai regardé la composition, j'ai vu qu'il n'y avait pas de sulfate dedans. Pas de sodium sulfate. Donc je me suis dit, tiens, c'est bien pour celles qui font des lissages. Alors ok, je fais des lissages, c'est pas très naturel là, entre guillemets, mais j'ai les cheveux très frisés et des fois, il faut un peu plus que le naturel. Si un jour on me dit qu'il y a des abeilles, elles ont ou autre chose, qu'on va appliquer un truc, tu mets sur tes cheveux, c'est lisse, c'est beau, brillant, eh ben je prends. Mais alors d'aujourd'hui, j'ai pas un meilleur résultat pour mes cheveux qu'avec les lissages Tana. Mais bon, bref, si je peux utiliser ce genre de shampoing pour aller en complément de mes lissages, avec plaisir. Donc je vous ferai aussi un retour sur ça. Normalement, il n'y a pas de sulfate. Je vois que la composition, c'est aqua, donc de l'eau, miel,
je ne sais pas ce que c'est, peut-être du miel. Oui, du miel parce qu'il y a 30% de miel dedans. Lauryl glucoside. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose que lauryl sulfate ou voilà. Est-ce que c'est du SLS? Je ne sais pas, mais je ne pense pas. D'après ce que je connais des autres produits de la gamme, ils ne sont pas très moussants. Et moi, je sais que c'est souvent la mousse qui fait que ça agresse le cheveu et qui enlève tout ce qui est lissage, etc. J'ai pas encore essayé. J'ai essayé le gel douche à la propolis, donc pour purifier le dos. Des fois, quand on a des petits boutons, ça peut faire du bien. Et ça mousse pas beaucoup, mais d'un côté tant mieux, parce que je trouve quand on exagère trop avec tout ce qui mousse, tout ce qui décape, on s'abîme beaucoup la peau. J'ai apprécié, l'odeur n'est pas fameuse, c'est un peu le goût propolis machin, mais c'est ça les produits naturels, c'est pas souvent pour leur odeur, à part les miels qui sentent, c'est un délice les miels. D'ailleurs j'ai hâte de tester celui-là tout à l'heure. Toi tu vas voir. Alors j'ai pas fait le tour de tous les produits. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Vous allez me dire, mais tu te prends pour qui? T'es ni médecin, tu t'es pas infirmière, t'as jamais parlé de santé dans ta chaîne. Mais c'est pas parce que j'en parle pas que je suis pas à fond dedans. Je suis super, super, super intéressée. Je m'intéresse beaucoup à ce domaine-là. Et je me suis dit que peut-être parmi vous, il y a des personnes qui savent pas quoi faire. Et qui connaissent pas ces petits trucs et astuces, je partage. Et si ça peut vous aider, je serais ravie. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, avec toutes ces maladies là, bref, vous savez de quoi je parle. Moi, c'est pas de refus d'avoir un petit peu de santé, un peu plus de notions de santé et puis ça coûte un peu cher, mais pas si cher que ça, parce que bon, franchement, un peu de propolis, un peu de miel, du thym c'est pas cher, et de l'eau, et vous êtes en bonne santé. Et je vous assure que ça, d'ailleurs, je fais une petite dédicace à Patibulaire, Fatia, c'est ma sœur qui m'a parlé de ça. J'étais malade. Et je commençais à avoir chaud, je sais pas si j'utilisais encore le propolis, mais je pense que oui. Et je me dis, oh ça y est, demain je vais tomber malade. Mais moi j'ai pas envie de tomber malade, j'ai pas le temps d'être malade, je travaille, je peux pas. Parce que moi si je tombe malade, excusez-moi, mais je vais devoir annuler les rendez-vous de demain. Les clientes, elles vont me zigouiller si j'annule les rendez-vous. Donc entre guillemets, je peux pas tomber malade, j'ai pas le droit. Elle m'a dit, fais-toi une tisane de thym. Je lui dis, oh mais vas-y, laisse-moi avec tes tisanes là, j'aime pas ça, c'est n'importe quoi le thé. J'arrêtais pas de lui dire. Elle a insisté, et finalement je dis, bon vas-y, fais, donne. J'ai pris, je me suis forcée, j'ai vu, c'est pas bon le thym, tout ça, machin. Ouais, c'est pas bon, c'est pas grave. Lendemain, je pétais la forme, j'étais trop bien, j'ai dit merci Fatia. J'ai découvert une nouvelle astuce, c'est génial. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent ça et qui tombent, soit ils tombent pas malades, soit quand ils tombent malades, ils guérissent très très vite. Donc voilà, cette vidéo s'achève là. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Cette vidéo, elle a duré très longtemps. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Essayez ces petits trucs que je vous ai montrés. Si ce n'est pas cette marque-là, essayez d'autres marques. Et dites-moi d'ailleurs si vous avez d'autres marques à me proposer, d'autres produits, d'autres astuces pour la santé de la peau, la santé des cheveux, la santé intérieure. Après, je pense que quand tout est sain à l'intérieur, bah, généralement le reste y suit. C'est pas parce que tu vas manger du collagène que tu vas avoir du collagène dans ta peau, hein, parce qu'après ça se dégrade, etc. Et c'est ton corps qui décide si oui ou non. Faut le mettre en bonne position et en bonne je sais pas quoi, vous avez compris. Bref, prenez soin de vous. Et attendez, on n'oublie pas. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? S'il vous plaît, un petit like pour cette vidéo. Ça me ferait très plaisir et j'aimerais savoir par la même occasion si ce thème abordé vous a plu ou pas du tout. Et puis si ça vous a pas plu, ben n'hésitez pas à me le dire aussi. Ben, comme ça j'arrêterai, j'éviterai de vous saouler avec ça. Allez, bisous!